Bonjour à tous et bienvenue sur la Xbox TV. Aujourd'hui, on va tester Gears 4, les 3 maps multijoueurs de la bêta. C'est parti. Ok, donc c'est parti, là on est en mode, on est les locustes, Team Deathmatch. On va voir si le gameplay a un petit peu changé, c'est celui du 3. Avec tout plein d'améliorations. Je vais essayer de montrer mon plus haut level, ça commence déjà à se fight. Bon, j'ai pris le lanceur direct, hein. Autant vous dire que je veux mettre des coups de tronçonneuse. Je fais peur comme ça. Alors, ouais, j'ai vu le petit ennemi là-bas. Ah, il est là, il est juste à gauche. Donc on le rappelle, un cover base shooter, il faut bien se planquer. Ouh, ça shoot de loin là-bas. Allez, premier kill pour moi. Hop, je me casse. Ouh là là. Mince, il veut tuer mon pote. Bon, du coup, je l'élimine. Bim, coup de pied dans la mâchoire, qu'est-ce qu'il y a? Ouille. Aïe, 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 ça y est. Ouh, le coup de fusil à pompe de la mort, là. Cette arme, elle est nouvelle et elle fait archi mal. Touche pas, mon copain. Ouh là là, faut que je me protège vite. On va recharger, bim. Ok. Alors, le drop shot, autant vous dire que c'est l'arme qui va vous énerver. C'est une espèce, ça lance une espèce de grenade qui bat tout en longueur. Et au moment où on arrête d'appuyer sur le bouton, elle explose. Et elle descend. Il m'a vu. Oups, il m'a vu. Bim, coup de pied dans la mâchoire. Ouais, peut-être le fusil à pompe de loin comme ça, ça va être un petit peu chaud. Mais on va voir. Hop, j'aurais bien lancé une petite grenade smoke pour nous couvrir un peu. Hop. Voilà, du genre, non, on n'est pas là. Oh là là, vite. Aïe. Oh. Ok. Voilà, voilà. Entre le headshot et la tronçonneuse, on perd le round. Allez, c'est reparti. Du coup, la map est super symétrique. Hein. Toutes les maps, là, on a accès à 3 maps. Et elles sont toutes les 3 ultra symétriques. Du coup, pas de jaloux. Peu importe le camp qu'on prend, on n'est pas avantagé. Aïe aïe aïe, faut que je me barre. Ouh là là, faut que je me barre. La fuite. La totale fuite là. On retrouve les bonnes sensations du 3, hein, tout simplement. Ça bouge. Oh. J'ai vu le petit ennemi là-bas. Oh aïe aïe aïe. Ça fait mal. Allez, ça fait 2 fois que je me fais avoir quand je suis planqué, bordel. Laissez-moi camper tranquillou. Allez, toi, jetez poteau. Allez, jetez poteau. Ouais. Quand même. Du coup, j'ai essayé de voir un peu tout ce qui est nouveau. Là, il y a des coups où carrément on peut choper l'adversaire et tout à travers. Enfin, par au-dessus plutôt. Pour lui faire une exécution. Et ça, j'ai pas encore trouvé les boutons pour le faire. Allez, on est reparti pour une deuxième partie. Du coup, cette map, on l'a pas fait. C'est la map Fondation. C'est assez stylé. C'est super cool. C'est la pré-alpha. Donc, alors, c'est pas les designs, les graphismes définitifs. Mais on va pas se plaindre. C'est déjà plutôt joli. Le petit long shot, là. Vous l'avez vu? Voilà, je vais me replanquer. Allez, allez, le turn. Oh, le turn. Et regarde, et bim. Qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. J'avais tiré dans la tête. Je suis caché. Je suis caché, les copains. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ah, en fait, non, merci personne. Je me suis juste relevée toute seule comme une grande. Je passe mon temps à fuir, c'est nul. Il est super prenant. Super immersif. Franchement, ça fait plaisir. C'est un gros kiff, là. Donc là, vous le voyez, la petite bulle bleue hein, au-dessus de la tête, c'est... mes alliés qui l'ont marqué tout simplement. Parce que voilà, hein. Gears, c'est super axé
teamwork. Donc voilà, il y a les petits pings. Spock. On appellera ça comme on veut. Aïe aïe aïe, allez. Oh, il faut que je me cache, faut que je me cache. Oh. Ah, on a réussi quand même. On a pris le premier round. Il fallait juste qu'on se réveille. Bon, j'ai fait 3 kills. J'ai mis 5 personnes à terre et j'ai fait, je suis morte seulement 2 fois. Alors, je sais pas ce que vous préférez, mais moi, j'ai toujours préféré les locustes. J'aime bien les méchants. Ah, je les ai vus là-bas, les méchants, là. Putain, comment... Dès qu'on s'est touché, on a un recul sur l'arme, c'est... Ouf. Carrément, je rush dans leur zone, hein. Oh, merde, j'aurais pas dû. Vite, vite, non. Voilà. Il fallait bien que j'en découpe un. Bon, après, on m'a mis à terre. Mon pote qui se fait tronçonner, quoi. Allez, elle peut m'y. Bon, moi, je me barre tranquillou. Ah, voilà. C'était un petit peu compliqué, ils étaient 3. Attention, copain. J'ai entendu une tronçonneuse. Oh, yes. J'ai excité comme une ouf sur mon bouton B pour faire le duel. Le duel de tronçonneuse, quand même. Bon, un partout. Moi, je pense que ça va être la guerre. 6-6-5. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Ok, y a personne qui est passé au milieu, au niveau adversaire. Bon, de près, ça va, il fait quand même mal. Bim! Oh non! J'ai 2 shotguns dans la tête! C'est pas juste! Je me reste, s'il vous plaît! Reste. Encore 6 personnes quand même, hein. J'ai ça comme ça. Allez, il l'a. Oh, oh là là, c'est deg, c'est ignoble. Le truc, elle s'est démembrée totalement. Ouh, la grosse. Aïe. Ah, le pauvre là, ça va être chaud. Il peut le faire, hein, 1v5. Il commence à se faire un petit peu encercler quand même. Elle a essayé le kill à la tronçonneuse. Allez, 1v4. Allez, il peut le faire. Oh, dommage. Bon, pour cette partie, c'est fini. Avec les locusts, on a bien défouraillé. On s'est bien battu quand même. Mais voilà, dernière partie, on a perdu. J'espère que la vidéo Let's Play vous a plu et que vous avez kiffé Gears 4. On se retrouve sur la bêta le 18 avril si vous avez l'Ultimate Edition. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur la Xbox TV.